Hello tout le monde, c'est Thibaut Beau et on se retrouve pour la suite de Tomodachi Life. Donc voilà, premier truc à faire, on va à la fontaine pour récupérer les dons. 203,70€. C'est nice. Ok. Ok, on va commencer par faire un petit tour dans toutes les boutiques. Aubergine grillée. Ok. Borch. What? Un potage russe à la betterave et aux légumes servi chaud ou froid. D'accord, ok. Je connaissais pas. Des nems. Ah, ok. Je déteste ça, les nems. Petit déjeuner anglais. Ouais, bacon, œuf et haricots. La tomate. Ça donne pas du tout envie. Vraiment, moi, ça me donne pas du tout envie, ça. Hein. Je vous jure. Ok, chapeau à plumes, chapeau d'enfant. Perruque crête punk. D'accord. Bon, là, il y a que ça. Les deux autres, c'est... C'est juste des nouvelles couleurs, donc ok. Maintenant, les vêtements. Habits de prince charmant. 600€. Attendez. Robe à feston, tenue de pom-pom girl. Ok. Veste de baseball. Ok. On va prendre aussi... Alors, attendez. What? Oh, j'ai toutes les couleurs de ça. D'accord, ok, j'ai débloqué toutes les couleurs. Oh, génial. Ok, alors on va prendre ces trucs là parce que... Oh bah, motif festival. Ça, j'avais jamais acheté. Sans motif à fleurs. What? Bah si, pourquoi ça me... Bonne journée. Attendez, ça me met tout en nouveau. Mais pourquoi? Aucune idée, d'accord. Style mur jaune. Ok, bah écoutez, on va acheter ça. Glacial, je l'avais déjà. Salle d'arcade. Oh. Ah, ça serait bien. Oh, peut-être pour Waluigi, ça. Genre, un peu le flipper Waluigi. Pour, disons, référencer ça. Bah, ok. Un tel là de cet appartement. Mais oui, pourquoi tous les vêtements, ça m'a tout mis en nouveau. Non mais attends, je suis venu il y a quelques jours. Ok. Let's go. Non mais comment ça pendant tout ce mois, je suis venu il y a quelques jours. Avant ça oui, j'étais pas venu pendant un mois, mais quand même. Mais peut-être que elle, j'étais pas allé la voir justement. C'est possible. Bah écoutez. Let's go. Nouvelle amitié de créer, ça fait plaisir. Ça s'est bien passé. Je t'entends vraiment bien. Je veux bien être son ami. Super. Ok. Tenez, pour vous remercier. La 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 la, pa la pa la pa la pa la pa. Ok, allez, on va lui donner à manger, hein, évidemment. Comme d'hab, tous les mi qu'on va voir, vraiment, on leur donne à manger. Ok, ah, elle était à deux doigts de level up, c'est dommage. Mais bon. Ok, on va aller voir Cynthia. Papa, papa. Ça faisait vraiment longtemps que je ne vous avais pas vu, sosie de Thibobo. Oui. Je pourrais manger n'importe quoi. Ok, elle a déjà mangé les spaghettis bolo. Oui, ok. On va lui donner ça, Borch. C'est trop bizarre comme truc. A trouvé ça très bon. Mais quand ils disent ça, genre je pourrais manger n'importe quoi. C'est à dire que peu importe ce qu'ils vont prendre, ils vont trouver ça très bon. C'est ça? En vrai je sais pas du tout. Aubergine grillée. Ok. C'est quoi? Ah non mais. Pardon. Ouais, faut que je lui donne une boisson. Bah écoutez, eau du robinet. Il y en a beaucoup qui ont pas aimé l'eau du robinet hein, jusque là. À trouver ça correct. Ok. Bon. D'accord. Mais après, là, tous les autres, là, je peux pas voir. Mais il n'y a pas beaucoup de soucis, là. Il n'y en a que deux. Mais attendez, vraiment, par contre, ça m'intrigue. Ça. Ah. Article de saison. Ah, mais. Ok, attendez, il faut que j'aille dans le catalogue. Je pense.
Ok, alors robe à col polo. Parce que je pense que... Ouais, en fait, c'est là-dedans. Robe de gaz. Ok. C'est là-dedans où il y a bah, tous les trucs qui ont été dispo et que j'avais pas acheté. Cardigan. Ok. Ok, t-shirt à manches longues. Donc on va acheter tout ce qu'il y a là. T-shirt... tenue d'enfant sage. Ok. Tenue de jogging. Ok. Ah, costume. Nice. Ensemble, jupe et chemisier. D'accord. Et puis là-dedans. Ok. Non mais sérieusement. Habit de prince charmant, 600 euros quoi. S'il vous plaît. Bonne journée. Non, mais 600 euros, c'est hyper cher. C'est totalement abusé. Ok, bon, il y a des nouveaux soucis. Mais on va rajouter des mi. Donc la première personne qu'on va ajouter, et ben ça sera Sam. Alors Sam Giddings. En gros, c'est les persos de Until Dawn. Voilà, j'ai fait tous les persos de Until Dawn et on les mettra tous. Donc voilà, et ben on va mettre la voix de base. Mouvement, on va mettre quand même très rapide. Façon de parler, alors on va mettre ouais, franc. Visage plutôt expressif. Tempérament, Sam elle est quand même très prudente. Franchement, c'est une personne originale. Voilà. Let's go. Type confiant et meneur. Bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est un des persos principaux de Until Dawn. Donc voilà. Et puis on va ajouter un deuxième. Du coup ça va être Jess. Jessica, hein, le nom complet. Donc voilà. Les persos de Until Dawn, ça sera tous des persos des années 2000. Enfin, ils seront tous nés à l'année 2000, hein, on va mettre. Donc écoutez, voilà. Hop. Alors mouvement. Alors on va mettre plutôt rapide. Façon de parler, elle est quand même très franche. Visage très expressif, elle est quand même insouciante. Et c'est une personne plutôt normale. Allez, on va mettre ça. Donc voilà, type ouvert et charismatique, l'idole de tout le monde, suscite l'admiration mais travaille dur pour entretenir son image. Ah vraiment, Jess c'est carrément ça. Donc écoutez, voilà. On va ajouter que demi là. Et puis on va aller voir Baptiste. C'est pas très sympa de ne pas être venu pendant tout un mois. Ah, ils abusent. Hein. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Quelque chose de classe serait idéal. Quelque chose de classe, ok. Alors attendez. Veste en jean, non. Veste en tweed, non. Chemise basique. Quelque chose de classe. Bah écoutez, costume. Costume, voilà. Baptiste en homme d'affaires. Il m'a dit quelque chose de classe. Il abuse. Il m'a demandé quelque chose de classe. Bon, ok, c'est pas grave. Vous savez quoi, Baptiste, on va lui donner un CD aussi. Ok, et après ça, il aura encore un objet. Il aura encore un objet à lui donner. Non, mais sérieusement, quelque chose de classe, mais c'est un costume quoi. Ok, il a pas aimé l'eau du robinet, d'accord. Ok, mais je comprends pas pourquoi. Ouais. C'est Saluta qui avait un problème, sinon. Ouais, problème d'amitié. Ok, ça va être par rapport à moi ou pas? Ah non. Oula. Pensez-vous que nous pouvions nous entendre, lui et moi? Très beau. Allez, oui. Ah oui, ça me donne envie de faire sa connaissance. Ouais. Mais très beau, faut faire gaffe, hein, parce que c'est un peu un sociopathe. Hein. Sociopathe, psychopathe. Bon. Ok, elle a trouvé ça bon, c'est cool. Mais j'espère que le... comment que la relation se passe bien. Allez, vous savez quoi, allez, un ordi portable, on va lui donner. Let's go. Et puis, on va lui donner une petite boisson. Allez, eau du robinet, pourquoi pas. Tout. What? Mais il y en a beaucoup qui aiment pas l'eau du robinet, hein, c'est abusé. Vraiment? Luigi est dans cet appartement. Mais vraiment, Baptiste, je comprends pas. Il m'a demandé quelque chose de classe. Je lui ai donné un costume. Costume qui coûte cher quand même. Mais ça lui plaît pas.
J'aimerais bien devenir ami avec Trevor. Oh, Luigi et Trevor. Quel genre de sujet devrais-je aborder pour devenir son ami? Marrant, léger, intellectuel. Allez, on va mettre sérieux. Merci pour vos conseils. Je vais aller lui parler de ce pas. Luigi, ami avec Trevor. Luigi, il a pas peur, hein. Non, mais sérieusement. Les deux personnages sont ultra différents, quoi. C'est ça le truc. Ok. Mais ils s'entendent bien. Les contraires s'attirent, hein, comme on dit. Enfin, les contraires s'attirent, mais ça dépend quand même. Hein. Et Luigi va level up, du coup. Donc, c'est cool. Let's go. Ok, alors Luigi. Qu'est-ce que je peux lui donner? Il n'y a pas genre un aspirateur, non? On va mettre bon pour un chien. Ref à Luigi's Mansion. Parce que Luigi, dans Luigi's Mansion, bah, il adopte l'ecto-chien, du coup. Eh ouais. Allez, on va lui donner ça, vous savez quoi? Ah, bon, il a pas aimé. Ok, c'est pas grave. Ok, du coup, on va aller voir Todd. Ils font quoi? Ils sont en train de jouer à la Wii U? C'est ça? Salut. Salut. J'ai envie de manger quelque chose de très gras. Très gras. Ok, bon, on va lui donner de la quiche. Voilà. Écoutez. Trouvez ça correct. Bon, je pense qu'il y avait autre chose. Il y a peut-être autre chose à lui donner, mais bon, c'est pas grave. Allez. Écoutez, croquettes de poisson. Ah, il a pas aimé. Ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. Trevor, il a envie de jouer. Puis il y en a un autre qui a envie de jouer aussi. Je sais plus qui c'est. Oui. Let's go. Quiz point commun, d'accord. Samantha et Attila ont le même jour de naissance. J'ai eu une chance sur 365, alors... La réponse est... Faux. Ouais. Question 2. Trevor et Attila ont le même niveau de bonheur. Ouais, je crois que c'est vrai. Hein. Vrai. Ouais, ouais, ouais. Quiz point commun, dernière question. Il a parlé de lui à la troisième personne quand même. Hein. Baptiste et Luigi possèdent une Nintendo 3DS XL. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. J'aurais bien aimé que Baptiste et Luigi soient meilleurs amis en vrai. Parce que voilà, boule de bowling, ok. Le nom de famille de Baptiste, j'ai mis Luigi. Je vais pas mettre son vrai nom de famille quand même, faut pas abuser. Il a pas aimé, sérieux? Ah, il a un souci. Ah, pardon. J'avais pas vu. Et puis, Luigi, c'est son personnage préféré, donc c'est pour ça. Pouvez-vous me donner quelque chose à dire quand je me sens triste? Ok. Ok, écoutez, on va lui mettre ça. Oh, il le dit trop bien. C'est génial. Voilà. Bon, j'ai hésité à mettre une insulte. Parce que c'est Trevor, mais en fait non. Enfin, on va pas mettre d'insulte. Allez. Quiz point commun encore, ok. Quiz point commun. La 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 la. Baptiste ont une personnalité similaire. Alors Odd, il est énergique. Énergétique. Je sais plus. Ouais, énergique. Baptiste, non, par contre l'autre, je sais plus. On va mettre faux. La réponse est... Je sais plus ça. Ah, oh, type ouvert, ouais. Non, c'est, voilà, c'est la deuxième. Je me souvenais pas. Allez, donne-moi une boîte de mouchoirs, vas-y. Pas de soucis. Allez, vous savez quoi, saumon. La tronche qui fait. Ok, super. C'est son plat préféré pour le moment. Allez, eau du robinet, on va lui donner. Est-ce qu'il va aimer ou pas? Mais what? Mais c'est pas possible. Non, mais sérieusement. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'eau du robinet. Voulez-vous jouer avec moi? C'est abusé, hein, vraiment. Ok. Question 1.
La 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 la. Tony et James sortent ensemble. Non. Clairement pas. La réponse est... James, il est avec Limas. Ah, c'est des inconnus en plus, ils se connaissent pas. Ils sont même pas amis. Anita et PH ont une personnalité similaire. Ah oui, oui, oui. Les deux, c'est un peu princesse en détresse, donc c'est bon. Voilà. Première question. Sandra et Todd possèdent un CD. Faux. Sandra peut-être, mais le Todd, non. Non, non, ouais, voilà. Non, non, le Todd, il écoute pas de musique, lui. Hein. Ok, allez. Une rose. Pourquoi pas. Allez, spaghetti bolognaise. T'as intérêt à aimer. Ah, elle a trouvé ça très bon. Let's go. C'est ce que j'aime entendre. Et puis, on va lui donner un coca. Un bon accompagnement qui va avec les spaghettis. C'est très cool. Jessica, je t'aime beaucoup. Vous remercie. Ouais. Ok. Papa. Daisy, elle veut jouer aussi. Eh ben écoutez, on y va. Oui. Let's go. Quiz point commun encore. Trois fois d'affilée. Papa, papa. Là. Ouais. Les deux au niveau 1. Mmh. Question 2. Là là là. Possède un bon pour un chat. Alors moi oui, mais Daisy non. La réponse est... Voilà. Point commun. Dernière question. Toadette et Franklin ont très faim. Ouais, super, sûrement. Ouais, parce que je les ai pas encore vus là depuis tout à l'heure. Donc ouais. Allez, on va prendre le petit. Une toupie, d'accord. Et elle a pas très faim d'ailleurs. Hein. Juste une boisson, ça devrait. Ouais, ça devrait la caler. Bah voilà. Bon. Ok. Let's go. Toadette, qui a un souci. Meilleur ami, Bernard BG. Ok. Qu'est-ce qui pourrait bien aller pour le Todd? Ça. Ça va bien. Franchement, ça va bien. Pour un Todd, ça va bien. Sérieux. Ok. Allez, rôti de bœuf, on va lui donner. Let's go. Elle a adoré. Enfin, elle a adoré, elle a trouvé ça très bon plutôt. Ok, j'ai gagné beaucoup là. Hein. Ah ouais. Si elle aime ça, elle va level up. Ok. Sérieux. Il me manque rien, mais c'est abusé. Un Tella, elle a encore un souci. Salut. Salut. J'aurais vraiment besoin de 30,50€ centimes. Pourquoi? C'est vrai? Oui, vas-y, prends, mais pourquoi en fait? Merci à vous. Ça va t'aider pourquoi? Pour t'acheter une trottinette pour aller travailler, c'est ça? C'est un enfant! Ok. Vous savez quoi? On va lui donner un miroir. Parce qu'elle aime bien se regarder dans le miroir des fois. Allez. Ok, Yumi, un souci. Let's go. J'imagine qu'il fait chaud aussi dans votre monde. Ouais, là je crève de chaud. Elle va me dire qu'elle a faim. Je voudrais bien du saumon à la manière. Ouais, c'est ça. Ok. Quand il y a cette musique, c'est qu'ils ont faim et qu'ils vont me demander à manger en fait. Super. Let's go. Bah écoutez, level up. Yumi. Il n'y aurait pas genre un éventail? Non. Bah écoutez, téléphone portable. Tous les persos de Kolyoko, on va leur donner un téléphone portable. Parce que... Merci de m'avoir aidé. Acceptez ceci en remerciement. D'accord.
Alors le dialogue était totalement différent, mais pour me donner un médicament rhume quoi, ou de digestion, je sais plus. Bon bref. Et ouais, tous les persos de Kolyoko ils vont avoir un téléphone portable parce que ça ils utilisent tout le temps. Hein. Ok, Michael il veut jouer. Voulez-vous jouer avec moi? Allez, let's go. Lutte. Oh non. Attention. C'est parti. Non mais attends, hey, je suis en train de déglinguer ma souris. Tout ça pourquoi? Pour perdre. Revenez jouer avec moi une autre fois. Franchement c'est bon quoi. Ok, non mais... Je vais pas regarder dans son ventre là, je m'en fous. Allez, si on veut lui donner un coca, vous savez quoi? Il a un à peine faim, un peu, c'est tout. Ok. Oh le gros plan. Ok, il a beaucoup aimé, bah super. Ah ouais, gagner autant juste pour une petite boisson. Eh ben, super. Et puis Jess, elle veut jouer aussi. Venez vous amuser avec moi. Papa. Carte. Oh là là, eh, jeu du pouilleux, mais moi je suis jamais pouilleux là-dessus. Hein. En fait, faut pas réfléchir, faut faire d'un coup. Une main en mousse, ok. Eh ben super. Ok, bon, bah il n'y a pas d'autres soucis pour le moment apparemment. Ok, et bah super. Événement là-bas, c'est quoi, parc? Voilà des costumes d'Ignite qui iront bien à n'importe où. Ok, bon écoutez, on va en prendre un. Petit supplément pour vous remercier. Vous avez reçu une balançoire en cadeau, d'accord. Ok, pourquoi pas. Et bah c'est nice. Vous savez quoi, on va aller à la brocante. Et puis... Ouais, eh ben on va tout vendre. Ok, 35 euros. Main en mousse, 1,20€, d'accord. Papier toilette, 1€. Une rose, 10€. Et la toupie, 3,50€, d'accord. Bonne journée. Eh ben pourquoi pas, écoutez. Ah ok, Saluta a un souci. Là je vais voir un petit peu tous les mis, voir s'il y a d'autres soucis. Parce que ceux qui sont pas dans leur appartement me donner quelque chose à dire quand je me fais du souci. Ceux qui sont pas dans leur appartement, on peut pas voir en fait. Ok, bon écoutez, on va lui donner ça, c'est assez basique, hein, mais... C'est rien. Voilà, c'est rien. C'est rien, ça va passer. Tranquille. Voilà, écoutez. Et puis, bah, je vais continuer à faire mon petit tour. Ok, bon, bah écoutez, Lima, ça a un souci aussi. Voilà. Donc on va aller voir. Salut à vous. Encore? Eh, c'est le troisième. La troisième expression là. Hein. Et puis, ouais, bon, bah écoutez, on va lui donner ça. C'est basique aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah oui. C'est pas grave. Et puis, écoutez, on va lui donner à manger également. Allez, saumon, vous savez quoi? On va lui donner ça. Elle a trouvé ça, bon. Ok, super. Et puis on va lui donner une boisson. Et si elle aime bien, elle va level up. Niveau 9 en plus déjà. Waouh. Ah bon. Bah écoutez, elle a pas aimé. Oh James, non. Problème d'amour, il est marié avec Limas. Tout va bien, laissez-moi tranquille. Ils veulent avoir un enfant? J'aimerais bien avoir un enfant avec Limas. Let's go! Eh, vu qu'il tirait la... Il faisait la tête, je pensais que ça... Oui, je trouve aussi. Ok, oui, allez-y. En fait, vu qu'il faisait la tête, je pensais que ça allait pas dans leur couple. Ok, non, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Allez, vous savez quoi? On va lui donner un skate. Let's go. Tenez, pour vous remercier. Ok. Et ben voilà. En fait là c'est un petit peu le dernier truc qui me manquait d'une certaine manière pour Lemmy. Genre que Demi et un enfant ensemble en fait. Ok, ouais super. Super super. Ok, on va aller régler ce souci là. Et puis après on s'arrêtera là. Les deux qui veulent jouer, j'ai la flemme. Salut à vous.
Voilà. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Ok, c'est quoi, on va lui donner ça. Allez. C'est rose, ça va avec Peach, c'est bon. Et elle a adoré. C'est super. Puis on va lui donner à manger en même temps. Allez, vous savez quoi, rôti de bœuf. Comme ça, après, on lui donne une petite boisson. Ok, elle a adoré aussi. Enfin, elle a trouvé ça très bon. Et level up. Nice. Super. Ouais. Je peux lui donner quoi, Peach? Oh, les battes de baseball, c'est quoi? Pour référencer les jeux Mario Baseball, là. Écoutez. Allez, jus de pomme. C'est la première fois que je donne du jus de pomme à quelqu'un, d'ailleurs, je crois. Hein. Oh, ok, elle a trouvé ça correct. Why not? Tenez, pour vous remercier. Super. Mais je jure, James, il m'a fait peur. Hein. Vu qu'il tirait la tête, je pensais que... Je pensais que ça allait pas dans son couple. Et ok. On profite avec le chat, c'est cool. Mais écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, on va bientôt avoir notre premier enfant. Voilà, c'est dommage. J'espérais que ça soit mon Mi avec Saluta. Voilà, mais écoutez, c'est pas grave. Mais franchement, c'est quand même super cool. Donc j'espère que la prochaine fois, eh ben, ils auront leur enfant. Vraiment, parce que là, je lui ai dit, ben allez, vas-y, c'est une bonne idée. Donc voilà, j'ai très hâte. Parce que, ouais, en soi, c'est un petit peu le dernier truc qui me manque. Voilà, que Demi ait un enfant. Pour qu'on ait un petit peu tout vu du jeu. Donc voilà. Donc écoutez, voilà, on continuera la prochaine fois. Et c'est ça qui est ça. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.